25 février 2015. Nos six joyeux lurons se réunissent comme chaque vendredi soir depuis de longues années. 23h30. L'alcool coule à flot, les rires fusent. Ils ont déjà bu 23 bières, dont 2 à la cerise et une au citron. Une bouteille de vodka de marque Zubrowska a été entamée. Ils ont fumé 36 cigarettes de marques différentes. Le cœur réchauffé par l'alcool, Abel propose de convoquer les esprits. Et si on faisait un Ouija ? Non, c'est flippant, mais c'est flippant. Allez, mais attends, déconne pas. Bon, on appelle qui ? Carlos ? Michael Jackson. Ah ouais, trop bien. C'est une bonne idée quand même. Ouais, c'est normal. BGE. Mais il est pas mort. Il est pas mort, non, De Gaulle. Non, Kenny. Bon, d'accord. Non, sinon, Bill Dylan. Bonne idée. Mais les gars, on appelle Clo-Clo. Allez, vas-y. Mais oui, j'ai ça, forcément, j'ai un Ouija. On était tellement Mais c'est super flippant, mais tout à fait quoi. Arrête. Nous sommes réunis ici ce soir pour invoquer l'esprit du grand Claude François, chanteur disparu, regretté de notre enfance. Esprit, es-tu là ? Esprit, es-tu là ? Esprit, es-tu là? Oh putain, ça pousse! Non, mais arrêtez ce truc! Question essentielle pour comprendre ton œuvre: est-ce que tu prenais des drogues? Attends, j'ai une autre question. Qu'est-ce que ça a fait d'être écouté que par des ménagères de plus de 50 ans? Et par Simon? Non mais sinon on a une ampoule qui fonctionne pas très bien dans la salle de bain, tu nous la changes? C'est bon à la fin. C'est hein. Con toi. Oh putain. Mon dieu, arrêtez, c'est bon. M. C'est d'abord le respect. Effectivement, Marine Le Pen face aux auditeurs d'Europe 1, nous sommes ensemble. Parce que Monsieur Hollande et Monsieur Sarkozy, ils ont des petits bras tout mous. C'est bien qu'on fasse. Schule und werden dann mit richtig und falsch. Non mais regardez pas ça, les gars, sérieusement. Oh, ça va. Bah,
Le verre a bougé, Simon. C'est un fantôme. Voilà. Et ça, c'est le fantôme de Claude François. Bah, c'est un fantôme. Oui, il y a Claude François et ses Claudettes qui sont arrivés. Genre, hop, hop, on va faire bouger le verre. Mais t'es sérieux ou quoi? T'as mal dedans? Ah, salut. Salut. Ça va, mec? T'as pas l'air bien? J'ai passé la pire journée de ma vie, c'était l'horreur. Vraiment, c'était l'angoisse. J'ai vraiment pas envie de me raconter là. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, putain, moi aussi. Ah non, 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 non. Tu peux pas tester, là, c'était un niveau, c'était infernal, je te jure. Franchement, écoute, je te raconte. Je suis sortie de chez moi, donc tout va bien, il fait beau, j'étais de bonne humeur. Et là, je marche, une énorme merde, bien sûr, je peux t'assurer. Putain, mais attends, c'est pas fini. Là, je continue de marcher. Je reçois un énorme saut de gelée. Et là, je lève ma tête. C'était une petite vieille. Elle me faisait un fuck. Elle me faisait des fucks, quoi. Je continue, j'étais presque arrivée. Et là, je rencontre deux gros wesh. Tu t'es fait bisuter? Non, je me suis carrément fait agresser, quoi. Non, mais la réflexion, moi aussi, j'ai eu une bonne journée de merde. Ah ouais? Ouais, moi aussi, ce matin, encore en tram. Ben, puis... les gars, je viens de recevoir un message d'un numéro inconnu. Ça dit... la même sépulture, on partagera. Moi aussi j'ai... c'est marqué, un pas de l'autre côté tu feras. Non mais attends, mais moi aussi j'ai un truc. C'est la brosse qui pleurera. Même si tu ne revenais pas. Le mal aimé, tu resteras. Moi aussi j'ai quelque chose. Mon chéri, pense à acheter du pain en rentrant. Ah non, c'est ma mère, désolé. Ça peut être. Non, mais c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? À tous les coups, c'est un petit merdeux qui vient nous faire chier, ce serait pas la première fois. Ah, mais si ça se trouve, c'est l'autre gros relou qu'on a enfermé dans les toilettes le jour. Ah ouais! Avec ses gros doigts là, bah avec ses gros doigts, il pourrait pas taper un texto là. Juste un gros bisou, de toute façon, ils ont vraiment que ça foutre, faut que ça foutre. Oui, mais en même temps, si vous arrêtiez aussi d'emmerder tout le monde, on aurait peut-être moins d'ennuis. Hein. Oh! Ouais, moi je suis pas rassurée quand même. Allez, t'inquiète. Moi je vais y aller. Pas de mon grand pervers! C'est bien, mais non, enfin, c'est pas grave, écoute, plus tard. T'as reçu le message hier soir? C'est moins un et tout ça. Mm. C'est vraiment bizarre, hein. Mm. Elle doit vraiment chier dessus. Ouais, complètement. Mais bon, enfin, elle est comme ça, c'est pas grave. Elle est ce qu'elle est. Ok, bon, je te laisse, on arrive chez elle, là. Ouais, à plus. Camille? 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 Faut entrer? Camille? Qu'est-ce qui se passe? Camille? Hello. Ah mec. Oh le con.
jamais. De la brosse à dents. Celle-ci se serait cassée au niveau de la tête de la brosse à dents et aurait arraché la jugulaire de votre ami qui, soit dit au passant, est un sacré maniaque de l'hygiène dentaire. Le médecin légiste n'a jamais vu de telle dentition. C'est terrible ce qui nous arrive. Mais monsieur l'agent, comprenez-nous. On a peur. Il y a eu des textos et puis après, Gaspard et moi, et Camille... Quelqu'un qui nous en veut là. C'est forcément un complot. Écoutez-moi, monsieur. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun rapport entre ces morts. Hein. Il n'y a aucun événement qui se relie les uns entre les autres. Alors, ce qu'on peut dire, hein, je suis désolé, mais c'est que c'est la faute à pas de chance. Je suis désolé, mais moi, il faut vraiment que j'y aille. J'ai répétition demain. Tu déconnes ? Non, mais j'ai vraiment besoin de me changer. Mais j'ai besoin de vous. Allez, je peux plus rester. C'est... Bon courage. Bon, bah, salut. Danse. Montre-nous comme tu danses bien. Tu es belle, séduisante, excitante, passionnante. Tu es une femme. Danse ma vie. C'est... Faut être fort, hein. Faut aller de l'avant. Ouais, mais c'est quand possible, même. Tu sais. Ah, salut. Salut, Simon. Ça fait du bien que tu sois là, hein. Faut qu'on reste là, tous ensemble. Et j'ai une idée, ça vous dirait peut-être, je sais pas, mais regardez les photos de la dernière fois. Vous savez, la soirée qu'on avait passée tous ensemble. Ouais, ouais. Eh bien, si, regarde, cette fois. Regarde, là. C'est Abel et Camille. Tu te souviens, on s'était bien marré quand même. Ah ouais, c'était une cool soirée. Ça me gêne, je peux pas regarder ça moi. Non mais. Ils sont morts, ils restent. Mais Simon. Non, allez, je me casse. Simon. Tout le temps à faire la gueule lui. Mais ouais, comme c'est vraiment bizarre qu'il réagisse comme ça. C'est vrai qu'il fait la gueule sur toutes les photos. Putain, ouais. Tu te souvenais qu'il avait fait le ménage pendant la soirée? Non mais abusé, nous on est là à rigoler comme des cons. Putain, mais il fait. Et alors? Ça serait lui? Parce qu'on s'est foutu de Claude François? Parce qu'on a dit que sa mère était grosse? Parce que j'ai dit qu'il aurait pas de meuf? Parce que c'est vraiment un gros bisou? Chut! Putain! Il est mort? Ouais. C'est horrible ce qu'on vient de faire, mais c'était la seule façon de nous protéger. T'as raison. Allez, viens, on y va. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? Basile et Prunille repartent main dans la main, leurs habits maculés de sang, heureuses et soulagées d'avoir vengé leurs amis.
chacun à son tour. C'est chacun à son tour dans cette vie. Un jour tu pleures, un jour tu ris, car c'est chacun à son tour. Chacun à son tour. Quand on se sent aimé, on n'aime plus mais. Dès que l'on aime, on n'est jamais aimé. C'est chacun à son tour.